Ryan, c'est Lamzou sur Diablo 3. Donc, on est reparti pour la manœuvre de Léoric. Ben, j'ai pas activé mon armure. Je l'ai fait. Est-ce que si je retourne dans la gère, ils sont revenus? Non, par contre, il y a un villageois qui est revenu, mais que dalle sur lui, évidemment. Putain de pauvre, hein. Attendez, mais vous pouvez pas avoir des richesses sur vous à me donner, hein. Je suis pauvre. Est-ce que j'ai gagné de l'argent? 269 000? Ah bah oui, je l'ai gagné. J'étais qu'à 170 000 avant. Tenez, moi je suis comme ça, moi je casse tout. Ah, mince. Tiens, meurs. Meurs. Enfin, mourir en fait. On décide de sortir plus vite. Parce que quand vous sortez lentement, c'est chiant pour vous tuer. Ah, je peux même passer à des petits tics à 1000, à 2000. J'étais pas si haut avant. Comme quoi, il y a de l'avancement dans le jeu, on le voit. Ouais, super cool comme virage. Dégage. Franchement, si je tue tout le monde en une boule. Bon, il me faudrait un peu plus de puissance arcanique pour aller au bout, mais ça fait sympa. Mais c'est sympa. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais dans le coffre? Mais... T'es sorti d'où toi? Non mais oh les mecs, restez chez vous quoi. Vous me compliquez de la vie pour rien. Petit journal, un petit peu d'XP gratos. Ah là, j'aime l'XP gratos. J'aimerais bien franchement finir le jeu au niveau 70, ce serait la classe. Enfin, même tout court, réussir à finir le jeu, ce serait la classe. Parce que je l'ai jamais fait sans mourir une seule fois. Ça va me demander un peu de concentration. Ah! Voilà, ils voulaient que eux se la prennent. Ils voulaient que le club des 5 ou des 6 se prenne une petite explosion. Ah! Franchement, mec, j'adore OT. Bloqué derrière mon temple, enfin bloqué derrière le templier, t'es trop génial. Pourquoi t'es passé derrière toi? Tu l'avais bloqué, espèce de boulet de la vie quoi. Mais t'as bloqué le templier, tu trouves le moyen de repasser devant. Oh putain, toi t'as 17 000 points de vie. Ah bah en fait t'es mort. Il y avait quand même 17 000 points de vie. Ah, lui c'est un violet donc c'est sympa. Hop là. La peau de diamant elle m'a été utile un petit moment. Un inquisiteur. À l'inquisition je vous jure, c'est pas ce que c'était. Hein. On se posait pas de questions à ce moment là. Hein. T'étais coupable, bah t'étais coupable. Oh, oh le pauvre. Comment ils ont morflé quoi dans leur tir. Ah, mais... Il y en a partout des gens ici. Bon je pense que ce niveau on l'a bien visité. Maintenant il serait temps qu'on passe au niveau suivant. Alors il est où l'escalier? Mais... C'est normal que les tonneaux ils explosent comme ça quand on leur tire dessus. D'ailleurs, c'est quoi ces dégâts bizarres que je fais? C'est mon arme qui fait ça? Ah ouais, c'est les dégâts de zone. Ça doit être ça, ça doit être le bonus de dégâts de zone. Ah bah c'est sympa franchement le bonus de dégâts de zone. Ah mais c'est énorme. Par contre, les dégâts de zone, c'est autour de moi ou autour de l'impact? Ah le bouton F1, mais ça franchement c'est affreux. J'aurais pu en crever encore de ce bouton F1 pourri.
Et toi, pourquoi t'étais pas dans le rang avec tout le monde? Du coup, t'as trop de points de vie. Alors que t'aurais pu prendre des dégâts comme... J'étais à portée? C'est une blague, moi. Franchement, j'étais pas à portée du tout, j'étais loin. Ce qui compte, c'est qu'on soit vivant et qu'on ait gagné. Parce que oui, on est des winners. Bon. Ça, je détruis. Ah, je sais pas pourquoi, mais je sens que cet endroit-là, il sert à rien. J'ai un petit feeling là-dessus. Ah, si j'avais pas sorti un tout petit peu plus, j'aurais eu dans le même temps. J'ai visé le mur. Bon bah du coup le Butcher, je pense que ce sera pour demain. Parce que là je me suis... En fait je me suis bien perdu. J'ai fait... Ah bah je vais faire toutes les salles d'agonie niveau 1. C'est pas rien, j'ai vraiment fait le tour du monde. Ah, à moins que le passage soit par là. Ah bah non. Je suis en train de me faire tous les petits bouquins d'XP. Ça rapporte pas énormément, mais ça fait toujours plaisir. Bon les mecs, je crois que la fête des zombies elle était finie. Ah, ça c'est juste pour le plaisir, mais franchement c'est une perte de temps quoi. Merci. Alors du coup, bah, il faut que je retourne là et que j'essaye en face. Soit j'essaye en face, soit je vais à gauche maintenant. Bon allez, je vais essayer en face. Eh ben fallait que j'essaye à gauche. Voilà, t'as vu? Arrête de donner des coups de hache tout pourri. Quand tu vois quelqu'un, t'envoies une orbe et ça fait boum. Ah oui, des hachoirs. D'accord, on s'en souvient. Voilà, premier passé. Non, raté. Deuxième passé. Le pire, c'est quand il y a des monstres, des champions ici. Quand on réussir à esquiver les hachoirs avec un groupe de champions, hop, c'est un peu plus compliqué. Et puis les gros, ils font quand même peur. C'est bon. Clac. Moi, je vous casse la gueule. Je dois être sur le... Donc, ok, c'est juste au-dessus. Donc là, je vais faire la... Je vais fouiller la salle du bas. Il y a des gens qui sont encore vivants ici? Je pense pas. Ah, ça sent ça paraît là, c'est gore quoi. Quand tu le casses, c'est super gore. Et bon, on a fait le premier niveau. En avant pour le suivant. Ok. 3 ça fait beaucoup, mais c'est mieux que rien. Allez, on tente. Non, mais pourquoi t'es parti en sprint? Pars pas en sprint en tes copains. Mec, il va falloir apprendre la solidarité. Rester groupé. Ça, je fais ça juste pour 1500 points d'XP. Alors, est-ce qu'un monstre me donne au plus de 1500 points d'XP? Ben, si c'est le cas, je me fais arnaquer parce que ça fait perdre beaucoup de temps pour rien. Ah, il est geôlier. Il est geôlier, pardon. Pas geôlier. N'essaie pas de me tuer. Oh, diamant. Et Panté mort. Je pense que je suis plutôt bien stuff. Les mecs, vous avez fini de faire n'importe quoi, un trou noir dans mes hauts. D'où vous venez? Vous avez des idées cheloues. On vous a jamais dit que les trous noirs c'était mal? Ah, yahoo.
m'a l'air sympa cette guillotine. Bah là j'ai trouvé le niveau suivant direct. Proche pas toi. Avec eux, à peine il commence l'invocation, quoi qu'il arrive, pim, ça invoque. C'est même pas des invocations qui peuvent s'annuler, c'est nul. Bon, au moins ici on a gagné beaucoup de temps parce qu'on est déjà à la sortie. Alors je vais juste fouiller la salle du bas parce qu'il me semble que j'ai un bon souvenir avec la salle du bas. Une barricade en bois, ouais. Remarque, j'aurais pu tout buter d'un coup. Il y a beaucoup de corps. C'est vrai que les villageois de nos jours, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Ils ont même plus de thunes sur eux. Les villageois, c'est que dalle. Les trucs, ils proposent que de la merde. Quoi, je suis venu pour 38 pièces d'or. Ouais, en fait, je suis venu casser les tonneaux pour ramasser des zombies dans les tonneaux. Non mais mec, le cadavre, je l'ai fouillé déjà, arrêtez. Ouais, bon, en fait, je suis plutôt déçu, je me casse. Hein. J'avais un meilleur souvenir que ça de la salle. Hein. Le passage vers les hautes terres. Il me semblait qu'ici, il y avait quelqu'un qui donnait une mission à un moment. Ou alors, c'est peut-être après le pont. Vous voyez, après le pont, il y a quelqu'un qui fait ça. Vous gênez les messieurs là, vous gênez. Ouais, c'était ici avant, c'était un marchand. On avait une quête d'escorte. Sauf que là, elle est pas là. Groupé. Pas mal. Ah, j'ai quand même pris une sacrée lance dans la gueule, hein. Combien ils sont? Ah, ils sont mal groupés, ça me plaît pas. Ah, j'ai plus que la lance. Ouais, c'était pas cool comme sortie. Ah, la prison. C'est ça, donc ici, il va falloir trouver... Enfin, il va falloir... faire tout ce qu'on peut pour libérer le gardien et tuer le gardien. Ok. Il y en avait du squelette là-dedans. Là, du coup, il me dit que le butcher, c'est faisable. Parce qu'après ça, il reste pas grand-chose avant le butcher. Finalement, on sera peut-être au butcher aujourd'hui. J'y crois pas beaucoup, mais quand même. Vous gênez, les enfants. Ah non, c'est le prisonnier qui... Ouais, tu vas apparaître deux fois, mais tu pars pas deux fois. Oh, t'es l'horreur, dégage! Non. Vous vous êtes pas pris mon explosion, vous? Galaxia d'explosion. Je t'ai vu, invocateur de mes deux, quoi. Ouais, je crois qu'il y a un... J'arrive pas à me synchroniser sur le temps qui est nécessaire à l'arrivée des petits serpents. Genre, son bouclier, il est suffisamment fort pour bloquer ma grosse orbe, quoi. Non, mais what the fuck. Et normalement, ici, c'est censé être bourré de champions aussi, faut faire attention. Les champions, moi, ouais, je vous attends. Je vous défonce. Enfin, de toute façon, dans ce jeu, à chaque fois que tu vois quelqu'un, tu le défonces. Voilà, j'ai cassé ce chemin-là. Bonjour. Je sais pas ce que tu faisais assis ici, mais t'étais bien.
Ah ouais. En fait, les boucliers, ça... C'est de la qualité chez eux. J'ai bien aimé ce petit regroupement. Je crois qu'ils se faisaient une petite soirée. Manque de bol, la soirée, je l'ai interrompue. Ouh, one shot. Le mec, il a pas fait popper plus de squelette que ça, vu qu'il s'est fait one shot. Et je l'ai vu, il était motivé, il voulait me faire chier, mais... Moi, je l'ai fait plus que faire chier. Je l'ai assassiné. Salut, Loken. Bon, même si ça sert à rien que je lui dise, parce qu'il m'a pas entendu, évidemment. Toujours pas croisé de champion. J'ai croisé du squelette, mais pas de champion. Deux mecs qui font popper des squelettes en même temps. Voilà, mon niveau 24 au passage. Lame siphon. Peut-être une nouvelle intéressante. Tornade, le vent violent. Instabilité. Ouh, et une orbe dans le vent. Mais j'ai quand même tué quelqu'un avec. Donc en fait, elle est pas trop dans le vent. Ah, les squelettes, avouez-vous vaincu, bordel. En plus, ils sont pauvres, ils m'ont même pas donné d'argent pour l'instant. Ah. Toi, t'es une horreur immonde. Ah ouais, en plus, t'as une technique pour essayer de me tuer. Tu fais la technique du gros bide. Ah, là, j'ai un petit coup de ralentissement. J'espère que ça va pas durer. Décale avec ton bouclier. Viens pas me voir, toi. Bon. Je commence à bien me synchroniser au niveau de l'explosion des monstres. Ouh, c'est qui a fait un petit rire sadique là? Allez, enlevez-vous. Le Butcher, j'arrive. Ouh, bah voilà, je l'ai cherché mes champions, ils sont là en fait. Oh, la profanation, je m'en souviens. C'est assez épique. Ça fait très très mal, la profanation. Je m'en souviens, ça, quand je jouais en mode Armageddon. On faisait 2 secondes dans la profanation et on mourait quasiment. Et ben voilà les deux derniers. Ils faisaient bon à part. Maintenant on va au milieu pour tuer le gardien. J'espère qu'il va pas me tuer. Il me semble que en tant que gardien il a géolier. Donc on va espérer que ça passe. J'ai quand même 2 techniques pour le maîtriser. Dégage. Ok, alors déjà je vais m'éloigner le temps de gérer les petits. Ouh. Ouais, je vais te faire un hit and run de... Ouh. Ah ouais, sauf que faire géolier et en plus faire une profanation dedans. Toi, tu es dans le genre méchant en fait. Allez, en plus, t'exploses! Non, mais oh! Franchement, vous avez tout mis sur ce boss là.
Y'a rien à looter ici, des fois. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu un coffre resplendissant. Des objets blancs. Ah ouais, je peux peut-être atteindre le boucher. Et non, c'est gris. Là, ici, il y a un petit truc sympa. Il me semble que ça, c'est Léoric qui tue. Je sais plus qui, mais il tue quelqu'un. Bon, en même temps, il était cinglé, donc il tuait tout le monde. J'ai environ une dizaine de minutes pour atteindre le boss et le tuer. Je pense que niveau timing, on est bon en fait. Après, si on pouvait être bon niveau loot aussi. Ah, j'ai poulé le gobelin! Putain, mais... Les mecs, ils m'ont empêché tous mes tirs d'atteindre le gobelin pendant 5 minutes, quoi. Ah putain, j'ai failli rater un gobelin qui me donnait un loot légendaire à cause de ça. Putain, franchement, je vous aurais maudit sur 66 générations. Bon, remarque, je l'aurais jamais su, mais je vous aurais quand même maudit. Bon, vous êtes 2, 3... Panf. Ouais, c'est moche. C'est moche et c'est un peu inutile comme ça. Pardon, c'est moche et c'est un peu très inutile comme ça. Ouh, superbe truc. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est moche. C'est quoi la rose des vents? Ah, c'est vrai que les objets verts, c'est pas comme dans WoW, c'est pas des objets très peu rares. C'est des objets très très rares ici, le vert. Ouh, j'ai un mauvais souvenir de ces trucs de feu. Non, mec, sors du feu! Sois pas bête! Il a dû. Franchement, t'as du beau être immortel parce que le feu, j'ai un très mauvais souvenir avec le feu. Approche pas. Ouh, le groupe de taille était plus sympa. Ça fait bien, vous explosez bien en groupe. Ah! Je me considère dans le truc là? Ah oui, là je suis dans le truc là, j'en suis sûr. Eh ben, ça se passe bien! Ah mais oh! Arrête de me tirer dessus toi, on n'est pas potes. Ouais, je t'ai dit qu'on était pas potes. Mais ils sortent d'où tous ces gens du... Il y a un sarcophage qui fait popper des zombies! Mais c'est quoi ces idées à la con qu'ils ont? Vous trouvez que vous pouvez pas invoquer assez de monde? Maintenant vous créez des sarcophages pour le faire? Ah, il me semble que ça du coup c'est l'avant-dernier. Et il faut aller en face en fait. Le boucher, j'arrive. D'ailleurs, juste avant le boucher, je me ferai un nouveau template spécialement contre lui. Allez, 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 allez. Ouf, on est passé. Joli groupe. Bah, franchement, j'aimais bien. Je vous ai bien fait péter la gueule en 3 missiles. Enfin, un peu plus de 3 missiles quand même. Bonjour. Ok. Plus casser le décor quand même pour le plaisir, mais bon. C'était pas ce que j'appelle une salle capitale. Ouh, sympa, mais... Ils m'ont fait peur quand même. J'aime pas quand je vois autant de monde qui me fonce dessus. Ouh, ça j'aime pas eux.
Il me semble qu'ils sont costauds ceux-là. Laissez-moi passer. Encore 3. Arrêtez de faire pomper des gens, vous. Vous rendez ma vie pourrie. Petit bouquin inutile. Vous êtes toujours là, vous, ici, ou... Non, je vous ai tué. J'ai pas fait exprès, mais j'ai dû vous tuer. Ouais. C'est moche, j'aime pas les tonneaux qui tournent. Ouh, un coffre resplendissant. Ah non, un coffre ensanglanté. Ah, il était cool. Ah, franchement, c'était un super coffre. Il y avait tellement d'objets jaunes dedans. Dégâts réduits, c'est con ça. Si j'avais pu l'avoir pour le boucher, ça m'aurait fait plaisir. Viens les mecs. Franchement, mettez-vous à la queue leu-leu. Il y en aura pour tout le monde. Oh putain, j'aime pas être en peur mais des monstres. C'était pas ce que j'appelle un comportement intelligent. Meurs, bordel. Eh, hey, il m'a refait peur. Hop là, t'as explosé. J'ai un petit peu peur, mon frère. Dégage, t'es moche. Dégage, t'es moche. C'est quoi ce décor à la noix qui est ici? Ah, je vais quand même pas faire l'arrêt en ville maintenant. Non, ça c'est les compétences. Dans le genre... Je suis sûr que j'ai des trucs pourris. Ça c'est pourri, voilà, hop. Bon allez, le boucher s'il vous plaît. Je peux encore faire environ un épisode de 35 minutes si on s'en sort. Ouh! Bonjour! C'était une soirée? Ah, image miroir, je m'en souviens, c'est cool l'image miroir. Météore, j'aime pas. Ah bah, ça y est, trouvé le boucher, ça y est. Donc on va faire la petite pause en ville et on revient. Comme ça on sera à fond contre le boucher. Donc livre de Kane, coucou à toi. Tac 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 tac. Ça aussi, ça aussi. On se met à côté du vendeur et c'est parti. Non. Non, 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 ça je sais pas, non. Je verrai. Ça je veux bien le prendre. Oui, franchement, au niveau des dégâts, c'est pas comparable. Ça je prends, non. Jambière comme ça, non, m'intéresse pas. Ah bah tiens, une relique. T'as vu? Tu peux te la péter. Ah, il fait quoi ton bouclier? Il fait 9 d'armure. Attends. 182, 216. Prends ça déjà, t'auras plus de classe. C'est réglé. Je perds quand même 10% de robustesse, hein, c'est beaucoup. Ça, je sais pas, je peux peut-être mettre des petits trucs dessus, et en fonction de ce que je mets dessus, ça peut peut-être le rendre meilleur. Et il me faut aussi une chasse sur l'épée.
Alors ça fait quoi ça? Arme, dégâts des coups critiques plus 20%. Et ah mais lui aussi il peut en prendre une. Sauf que lui il peut en prendre combien? 2. Et il fait 4 dégâts de moins. Ça augmente l'intelligence. Ça c'est nul. Je crois que sur les armes, c'est le vert qu'il faut mettre. Donc toi, tu vas aller là. Ah mince, j'aurais bien plutôt mis du rouge en fait. Bon, c'est pas grave. Le rouge sur les autres, ça augmente la force. Donc je m'en fous. J'ai des trucs qui nient des chastes. Ok, donc si je mets deux trucs comme ça sur ça. Ouais, je vais aller le casser maintenant parce que sinon, c'est que si je le casse pas, je vais pas récupérer mes trucs. Et tout le reste, je vends. Ah, à moins que sinon, je vais quand même oublier que j'ai pas refilé de nouvelle arme depuis le temps parce qu'il a quand même eu une arme à 21 de dégâts. T'en veux pas, t'es sûr? Pourtant, elle a trop la classe cette arme. Bon, bah, si t'en veux pas, c'est pas un souci. On vend tout. Tout dans le coffre. Maintenant, les compétences. Donc si je me souviens bien, le boucher c'est du mono-cible. Je peux tenter un rayon de glace, ça fait quoi? Non. Ça. Je vais le tenter un rayon de glace, je suis un fou. Le cône de froid, le coup de froid, ça change pas. Le pot de diamant, c'est quoi le prisme? Non, je vais garder ça à fond. Armure de glace. Voyons, oui, on va conserver l'armure de glace parce que ça réduit quand même les dégâts que je subis. Par contre, j'ai pas mis de truc. Ça peut servir. Le refroidissement, non. Enfin, le. Et ben voilà, j'ai accès aux hydres. Je vais me prendre une hydre. J'aurai pas de globe, donc ça sert à rien. Ça, ce sera un petit peu plus utile. Et je prendrai bien insaisissable aussi. Voilà. Je me mets l'armure. Et c'est parti pour le boucher. J'espère que t'es gentil, mec, parce que je te préviens que j'ai pas envie de mourir. Il a l'air un peu méchant ton boucher, mec, quand même. Alors, je m'en souviens plus trop de ces cycles, mais je vais essayer de m'en sortir. Déjà, je vais commencer par placer une hydre. Voilà, je me souviens un peu pas de ça. Ah oui, franchement ça fait des jolis tics. Je bouge. Je bouge tout de suite. Bon, ça va, franchement il est prenable, large. Ouf. J'ai vu venir. Et ouais, t'es mort.
Un nouvel objet légendaire? Eh ben dites-moi, c'est mon jour de fête, hein. Bon, ça c'était un truc juste pour le boucher, parce que le laser, le rayon de glace, sinon en salle avec plein de monstres, il est un peu trop faible. Mais en mono-cible, il est extrêmement puissant. Quoique... C'est normal qu'il diminue pas. C'est bizarre ça. Si ma puissance arcanique ne diminue pas, je vais le garder. Coucou. Bon, hop. Que ça reste quand même une arme. Enfin, c'est pire qu'une arme. Il y a encore quelqu'un. Coucou l'étranger, je te ramène à la maison. Waouh, mais en fait l'étranger c'est Tyrael. Évidemment, personne t'en doutait que c'était Tyrael. Vite, on se casse à la nouvelle Tristram. Je trie mon inventaire et j'arrête là. La suite demain. Attendez, il faut que j'identifie. Alors, c'est nul. J'en veux pas garder, je vais pas garder. Et la cuirasse, eh ben elle est parfaite la cuirasse. Je vais aller dés l'autre. Ah oui, artisanat, recyclé. C'est celle-là, comme ça je peux récupérer mes petits trucs. Que je vais te mettre. Tada! Toi ici. Le reste je revends. Et une petite réparation. Et puis merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.